Bonsoir à tous et bienvenue dans votre capitale été. Pendant vos vacances, vous avez sûrement prévu des escapades pour changer d'air le temps d'une journée, que ce soit d'ailleurs à la mer ou à la montagne. Près de 7 Français sur 10 sont adeptes de ces courts séjours. Alors, il y a Porquerolles et ses plages paradisiaques, ou Étretat et ses célèbres falaises, ou encore la Principauté d'Andorre et son shopping à prix cassé. Comment ces sites ultra-touristiques rentabilisent-ils votre passage ? Quelles sont leurs stratégies pour vous faire rester plus longtemps ? Nous avons enquêté. Capitale présente, Porquerolles, Étretat, Andorre, le jackpot du tourisme à la journée. Un reportage de Tristan Henry, Sybille Véron et Lucie Rémy. Quel est le point commun entre l'île de Porquerolles, la station balnéaire d'Étretat et la Principauté d'Andorre ? Ces trois destinations sont des stars de l'été pour les touristes. Mais surtout, ces trois lieux de carte postale ne sont visités que pour quelques heures par des vacanciers d'un jour. De ce tourisme express, chacun de ces trois sites tente de tirer le meilleur profit. À Porquerolles, les visiteurs sont si nombreux à vouloir profiter de cette île aux eaux paradisiaques qu'il a fallu limiter leur nombre. 6000 personnes par jour. Une fois cette limite atteinte, tous les autres sont refoulés. Encore 5 places, combien de 6 2 3 et 2. Allez, c'est bon. Ici, tout est fait pour laisser entrer en priorité les touristes aux portefeuilles les mieux garnis. À Étretat, ces touristes d'un jour sont autant une chance qu'une charge. La municipalité tente de gérer les flux de visiteurs. Il faut ainsi payer des agents pour surveiller en permanence les amateurs de dangereux selfies. Oh ! On recule, s'il vous plaît ! Et sur la plage, il faut contrôler le vol des galets, transformés en souvenirs gratuits. Le ramassage des galets, il est interdit. Faut pas les garder avec soi. Sous les fameuses falaises, c'est un casse-tête de tenir face à tous ces touristes. Mais pour les commerçants, c'est aussi l'occasion d'inventer de nouvelles offres adaptées à ces promeneurs pressés. À Andorre, des millions de Français franchissent la frontière chaque année. Ce micro-État des Pyrénées est un paradis fiscal dont le coprince ne vous est pas totalement inconnu. Pour le portrait officiel, les autorités andorranes ont forcé sur le bronzage tout en remplaçant le drapeau européen par leur propre couleur. À Andorre, la majorité des visiteurs viennent pour profiter de tarifs imbattables sur des produits détaxés. Du tabac, des bonbons, des produits nettoyants. Là, j'ai payé 140 euros. Je pense qu'en France, j'en aurais eu pour 300. Aujourd'hui, Andorre fait tout pour que vous restiez quelques heures de plus. C'est une politique gouvernementale et les financements sont open bar. Andorre a ainsi investi dans le plus grand spa d'Europe. L'eau est très chaude. À Porquerolles, Étretat et Andorre, les touristes de l'été ne font que passer. Qu'ils veuillent les attirer, les faire rester plus longtemps ou en tirer le meilleur bénéfice, ces destinations rivalisent de stratégie pour profiter au maximum des vacanciers pressés de l'été. Pour accéder à Porquerolles, la plus célèbre des îles du Var dans le sud de la France, ils sont chaque jour d'été des milliers à attendre le bateau de transport vers l'île. L'embarcadère est très vite saturé. C'est complet. Faute de place au parking, le séjour tourne court. Bon, ben voilà comment on annule des vacances. Voilà, on va plus aller sur l'île, on va faire autre chose. On y prend quand même avec le sourire, hein. Bon, c'est annulé, mais bon. Pour les autres, il faut attendre. Il y a du monde, hein. Vous attendez depuis longtemps ? Un petit 20 minutes pour l'instant. Ça va vite quand même. Ça va vite quand même. Ça fait combien de temps que vous attendez ? Une heure et demie. Après la file d'attente et l'embarquement, la traversée ne dure que 15 minutes. À Porquerolles, ils passeront moins de 10 heures. La première navette arrive à 7 heures et la dernière repart à 19h30. Une fois sur place, il faut donc se dépêcher. Et il n'y a pas que pour les visiteurs que le temps est compté. Pour les restaurateurs, les loueurs de vélos et les commerçants de l'île, ces quelques heures de présence des touristes doivent être le plus rentable possible. Tous les matins, le compte à rebours commence. Ces milliers de visiteurs express, il faut bien les nourrir. Avant même leur arrivée, ce sont les ravitaillements qui débarquent. Philippe est le patron de la principale supérette de l'île. Pour la livrer, il faut un camion entier.
et il le surveille avec attention. Monsieur Pisani, bonjour. Bonjour, Manine, ça va? C'est bon, tu as tout chargé? Tout est étudié, mon petit. Mmh. Yeah. Bon, on le mettra sur la sonnerie. Rue. Ah, t'es bien quand même, hein? Bah ouais, c'est pour ça. Ah, j'ai reçu mon vin de Corse, bien. J'ai tout mis, hein, j'ai tout... Ouais, ça c'est cool, ça. C'est les Corses, ils sont pas pressés pour m'envoyer le vin, mais bon. Pour lui, ce transport est indispensable, mais surtout très coûteux. 600 euros la traversée, trois fois par semaine, entièrement à sa charge. Contrairement à un autre magasin de ma taille en face sur le continent, moi j'ai en plus le transport bateau. Et ça représente à peu près 2% de mon chiffre d'affaires. Donc c'est quand même important. Allez, va choper les autres à côté après, non ? Ça, c'est de l'eau. L'eau, c'est le problème, c'est qu'elle n'est pas bonne à Porquerolles, donc les gens ne consomment pas l'eau du robinet ici. Elle est salée. Ça, c'est un vrai souci, parce qu'une palette d'eau, ça pèse 800 kilos, et dans les camions, ça fait du poids, et ça coûte cher. Le coût de la palette en transport me coûte plus cher que le prix de la palette. Pour rester rentable, Philippe est donc obligé d'adapter ses prix. Joël, vous avez regardé le rayon de l'eau ? Chez lui, la bouteille d'eau est vendue 70 centimes. C'est déjà deux fois plus cher que dans une grande enseigne. Mais même avec ce surcoût, ce n'est pas sur l'eau que le commerçant va pouvoir gagner sa vie. On met une palette entière, les enfants. On va prendre une rafale pour l'eau. Faut qu'on soit blindé. Ici, l'eau et les produits de base ne doivent jamais manquer. Il n'y a que deux supérettes. C'est l'alimentation de toute l'île qui dépend des stocks de Philippe. Bon, le rayon frais, c'est nickel, hein, Éloi. Le rayon frais, c'est le rayon liquide surtout qu'il faut regarder, quoi. Le rayon. Parce que là, il fait chaud et en flotte. J'espère qu'on va tenir jusqu'à jeudi prochain, d'ailleurs. Ici, on trouve donc tous les produits classiques, comme dans un magasin du continent. Mais également des produits à la coupe, plus haut de gamme. Du jambon aux herbes, du jambon plein, du serrano, du Saint-Daniel. Leur présence n'est pas un hasard. Car Philippe a bien étudié sa clientèle et il sait qu'elle a les moyens de se faire plaisir. Voilà, les touristes Merci. Venus pour une journée d'excursion sur l'île affluent dans le magasin dès le matin. Tu veux ouvrir la deuxième caisse ? Je dégrossis un peu là, il y a un gros truc. Venez me voir là-bas. Venez me voir, comment ça va ? Ça va bien. Si on peut éviter de faire attendre nos clients qui ont certainement envie de partir à la plage ou ailleurs, on le fait, n'est-ce pas ? Bonjour. Bonjour. 36, 38. À la carte ? Allez, on y va. Voilà, la dame, elle a pris que des produits à la coupe. Et la chiffonnade, du fromage, enfin que des trucs. Voilà. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Philippe a bien compris sa situation. Sa supérette se trouve au milieu du village. La majorité des clients n'ont qu'une idée en tête. Foncer sur le sable et manger face à la Méditerranée et ses eaux turquoises. Et à Porquerolles, il n'y a qu'un seul restaurant de plage, directement au bord de mer. Le stand de Philippe est donc idéal pour se faire un bon pique-nique. Pour lui, c'est tout bénéfice. Ce rayon représente 20% de son chiffre d'affaires. Et voilà, madame. Votre jambon et le ticket rentré en caisse. Et avec Merci. Plus de 4% de marge nette après impôt, la charcuterie est en France un des produits les plus rentables pour un commerce comme le sien. Mais Philippe a trouvé encore mieux. La volaille. Dans son magasin, il propose un poulet rôti prêt à déguster sur la plage. C'est un de ses best-sellers. Sur les 18 qu'on a fait ce matin, il en reste 3 et un réservé. Donc ça fait un carton qui reste. Donc on en refait. Ces poulets, Philippe les a installés à l'entrée du magasin pour que l'odeur attire les clients. À 20 euros pièce, ce n'est pas donné. Mais ici, les clients veulent profiter à fond de leur journée d'exception. Ce jour-là, il en aura vendu 26, soit près de 520 euros sur la volaille. Et à près de 7% de marge nette après impôt, c'est très rentable. Grâce à tous ces petits plus, Philippe fait grimper son chiffre d'affaires. La journée est très bonne. Très bonne, ouais. Au mois de juillet, c'est ça tous les jours. Chaque jour d'été, Philippe sort un chiffre de 12 500 euros. C'est en moyenne 12,5 fois plus qu'une supérette classique de la même taille ailleurs en France. La popularité de Porquerolles offre aux commerçants de l'île une clientèle de rêve. Pour eux, il ne s'agit pas de vendre, mais de vendre plus cher. Hein ? Allez, à tout à l'heure. Monter en gamme, c'est tout l'enjeu des loueurs de vélos de Porquerolles. Les milliers de touristes quotidiens n'ont que quelques heures pour découvrir les trésors de l'île. Et la voiture est interdite. Les espaces naturels sont protégés par les autorités du parc national.
Pour les explorer, le meilleur moyen, c'est de pédaler. Le vélo est la petite reine de Porquerolles et les loueurs sont les rois. À l'entrée du village, pile en face du débarcadère, cette boutique a pignon sur rue. Cela fait plus de 50 ans que Jacques loue des bicyclettes. Ça va, Jordan ? Salut, Rome. Il y a une disposition qui est systématique, généralement devant sont les électriques, après les tandems et ensuite les musculaires. Avec son expérience, Jacques a bien huilé sa mécanique commerciale. Tout commence par attirer l'œil des voyageurs avec son exclusivité, le tandem. Il est le seul à en proposer sur l'île et il coûte 36 euros la journée. C'est le double d'un vélo normal. Alors, tu veux prendre ça ou pas ? Bah, moi, ça me va. Hein. Alors, on y va. Ouais. Toi, si ça te va. On y va, on y va. C'est pour toi que je le fais. Ah, putain. Voilà. Oh, le vieux. Eh oui, désolé, faut pas filmer ça, voyons. Je me fais vieux. Allez, c'est parti. À tout à l'heure, on vous le ramène. Avec ses tandems en vitrine et son positionnement idéal, les vélos de Jacques partent très vite. Bonjour. Il y aura 36 euros du coup de règlement. Allez. Allez, merci, regardez. Donc, tenez pour vous. Il y a deux antivols. Et ça, c'est la taille de vos vélos. Donnez au garçon juste devant, il vous donne les vélos. Ok, ça marche. Ah, merci beaucoup. Profitez bien. Merci. Bonne journée à vous. Bonjour. Allez, bonne journée. Avec le nombre de touristes à la journée, Jacques pourrait louer toujours plus de vélos. Mais il ne peut pas faire plus de 250 locations par jour, car les autorités du parc national ont limité le nombre de bicyclettes sur l'île. Voilà, ici vous avez un L qui veut dire loueur de vélo. Disons que les stocks qui ont été présentés en 2018 sont figés dans le temps. Avec une offre limitée et une demande garantie, pas besoin de se faire trop la guerre sur les prix. Ici, les tarifs sont les mêmes chez les 9 loueurs. Pour augmenter son chiffre, Jacques doit donc utiliser au mieux les particularités du lieu. Je vous donne un plan de l'île. Oui, je veux bien. Tenez, nous on est ici. Si jamais vous voulez aller à la plage de Notre-Dame, qui est ici. Ces vendeurs offrent systématiquement la carte payante de Porquerolles aux visiteurs. Un geste commercial loin d'être gratuit. Il permet de rappeler que l'île paradisiaque est grande et escarpée. Vous voyez les petits pointillés ici, ça monte, ça descend, c'est un peu plus vallonné, un peu plus difficile d'accès, environ 40 minutes de vélo. En insistant sur les collines et les montées, les vendeurs de Jacques encouragent la location d'un vélo adapté, le modèle électrique. C'est la première fois que vous faites de l'électrique. Alors, regardez. Pour l'allumer, vous appuyez juste une petite seconde sur ce bouton-là. Mm-hmm. Ne restez pas toute la journée en turbo pour la batterie. Ouais. Vous restez en mode sport, c'est très bien. Bonne balade. Merci. On teste pour faire le tour de l'île toute la journée et pas rester sur une simple plage. Aujourd'hui, c'est l'électrique. Ses clients repartent donc avec un vélo électrique. Celui-ci coûte 42 euros par jour au lieu des 18 pour un vélo classique. Un petit luxe que s'offrent volontiers les vacanciers venus passer une journée d'exception. Il vous faut quoi comme vélo ? Ah non, on n'aura plus. Bonjour. À 10h30, tous les modèles électriques de Jacques ont trouvé preneur. Avec de tels tarifs, les quelques heures sur Porquerolles ne sont pas à la portée de toutes les bourses. L'île est de plus en plus exclusive. Ce paradis méditerranéen s'offre à seulement quelques privilégiés. C'est d'ailleurs toute l'histoire de l'île qui, à l'origine, n'est destinée qu'à quelques-uns. Car pendant très longtemps, Porquerolles n'a été possédée que par une seule et unique famille. Tout part d'un explorateur belge, François-Joseph Fournier. L'homme a fait fortune dans des mines de quartz au Mexique. De retour en Europe en 1912, il tombe amoureux des rives de Porquerolles. Il achète l'île entière et en fait cadeau à sa femme. Et depuis, leurs descendants règnent sur les lieux. Après la vente en 2017 d'un domaine viticole à Chanel, il possède encore le seul restaurant de plage, un hôtel en plein milieu du parc national, un restaurant gastronomique sur la place du village, ainsi que plusieurs propriétés disséminées sur l'île. Avec le temps, les enfants de l'explorateur ont été rejoints par une poignée de familles. Ensemble, à quelques-uns, ils se partagent la majorité des commerces. Et entrer dans ce cercle n'est pas chose aisée.
Philippe, le patron de la supérette, fait partie des rares qui ont réussi à se faire une place au soleil. Pour y arriver, il a pris son temps et multiplié les bons coups. En plus de l'achat de sa boutique en 97, il tient, depuis 20 ans, la seule boucherie de Lille. Avec ça ? S'il vous plaît, un filet de poulet. Pas trop gros. Vous voyez, c'est bien, là, celui-là. Impeccable. Et Philippe ne s'est pas arrêté là. Plutôt que de se contenter d'une boucherie, il a trouvé un moyen de mieux profiter des visiteurs d'un jour qui ne voudraient pas se contenter d'un pique-nique. En 2017, il a racheté le local avoisinant sa supérette et y a installé un restaurant de viande avec une très grande terrasse. En cumulant les activités de boucherie et de restauration, il rentabilise son local et peut gérer ses stocks bien plus facilement. On le coupe à la demande. Oui, alors on ne prépare rien d'avance, nous. Hein. Nous, on est une boucherie avant tout. Hein. Je ne prépare pas des côtes de veau, 10. Non, 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 on ne prépare pas. Non, non. Il y a un peu de gâchis, donc. Il n'y a pas de gâchis. Et de plus, comme on a reçu un demi-veau, on a un laboratoire où on fabrique des merguez, des chipolatas, des saucisses, et là, on va fabriquer la saucisse de veau. Être boucher lui permet aussi d'acheter à des tarifs inaccessibles à d'autres restaurateurs. En débitant des carcasses entières, il paye son bœuf classique 9 euros le kilo, soit la moitié du prix habituel. On a de quoi proposer 5-6 variétés de côtes de bœuf à nos clients sur les jours à venir. Et pour couronner le tout, le restaurateur apprenti a encore une fois fait le pari du haut de gamme. On a des Holstein en plus à proposer, on a de l'Angus espagnol. Bon, c'est top, voilà. Bon, ben on a de tout, là. Les clients arrivent là devant, ils voient ça, on a envie de tout manger, quoi, si on est amateur de viande. Hein. Ah ouais, faut pas être vegan hein, pour venir ici. Hein. Les viandes d'exception de Philippe lui permettent de faire grimper l'addition. Mais ces pièces coûteuses, encore faut-il les vendre. Alors il change à nouveau de métier. Messieurs, dames, on s'occupe de vous. Après patron de supérette, restaurateur et boucher, le voilà commercial. Nous, on est des bouchers. Pour mettre en valeur son nouveau produit, il a bien préparé son discours. On propose aujourd'hui un produit assez exceptionnel, c'est la première fois qu'on le propose. C'est le veau tigré de la famille Abatucci. Ces gens-là, ils ont une technique d'élevage qui est extraordinaire. Ce sont des petits veaux qui sont adaptés au maquis et ça broute dès le plus jeune âge, dès 3 mois, que de l'herbe locale. Ah, tu vas manger de la Corse, quoi. C'est rare d'avoir ce produit. Je te mets un peu de thym dessus. Oui, j'adore. Jamel, pour Isabelle, une côte de veau de la famille Abatouche. Tu me coupes une belle côte de veau de 300 grammes, tu vois, à peu près. Hein, Tada, tu as fait des légumes. Il ne faut pas rigoler là, sur cette assiette. C'est pas légumes, c'est de la salade. Non, je veux des légumes. Okay. Je mets ma veste, parce que comme ça, on me repère bien, on me distingue. The meat, what else? Quoi d'autre? Il a l'impression du bon. Je voulais prendre du poisson, finalement, je prends du bon. Bonjour, madame. Les bons mots de Philippe ont conquis Isabelle, une habituée du restaurant. Et la côte de veau fait son effet. Attention, toi. Oui, ça, c'est nouveau, c'est un jeune domaine que j'ai découvert. Ouais, super bon. Il y a un verre de rouge. Il y a du vin suisse. Ouais, il y a du vin. Savoureux. Ah, c'est bon. Cette nouvelle formule est un succès. Son restaurant représente aujourd'hui 90% de son chiffre d'affaires. Le à point. Et il faut se battre pour y déjeuner. Ici, le problème n'est pas de faire venir les clients d'un jour, c'est d'arriver à les asseoir. Vous n'aviez pas réservé? Alors, je vais voir si je peux faire un peu de mouvement. Ce que je peux vous proposer, ça va être des tables uniquement au soleil. Ça vaut rien, en fait. J'ai que ça, sinon tout est réservé, j'ai des groupes et j'aurai pas d'autres tables. Non, mais merci. Je suis désolée. J'ai l'impression que je me fais insulter quand je leur dis que mes tables sont réservées. À Porquerolles, les restaurateurs se sont adaptés pour répondre à l'afflux de clients pressés par la montre. J'ai trop de monde, quoi. Il y a trop de monde. Alors, pour satisfaire tout ce monde, le restaurant propose 2 services. Et les clients sont prévenus. La viande est bonne, mais ils n'auront que 2 heures pour manger, café compris. Mais tu vois, venez tôt. Après, sans déconner, ça va être la merde. Voilà, parce que la table que je vous donne, elle va être revendue derrière. Grâce à cette rotation rapide, Philippe peut servir 140 clients par repas, en ne disposant pourtant que de 90 places assises. C'est un casse-tête. Tout le monde veut venir. Et le restaurant, je ne peux pas les mettre en haut des arbres. Ça, c'est... On a pris la commande de la 50, les enfants, là, hein? Allez, on va prendre la dernière table. Comme ça,
qu'on puisse un peu souffler avant de se faire assassiner. Avec ses produits d'exception et sa tchatche, Philippe atteint un ticket moyen de 43 euros. C'est près de deux fois la moyenne d'un restaurant en France. À Porquerolles, tous les commerçants tentent de faire grimper leur prix. Il faut dire que c'est désormais leur seule solution pour augmenter leur chiffre d'affaires, car leur nombre de clients ne pourra plus progresser. En été, Porquerolles est victime de son succès. En 2020, l'île a atteint les 12 000 voyageurs sur une journée. Pour protéger l'environnement et garantir la satisfaction des visiteurs, le parc national et les autorités locales ont décidé de mettre en place une jauge. Les touristes sont comptés un à un. 6 000 voyageurs par jour, pas un de plus, sont autorisés sur l'île. Et les places sont chères. Le tarif des tickets a augmenté de plus de 20% en deux ans. Il faut compter 24 euros l'aller-retour pour un adulte et 21,50 € pour les enfants. Oui, oui. Sinon, ça sera 16h30 aujourd'hui. Dans son bureau, le directeur adjoint de la compagnie maritime décompte le peu de tickets qu'il peut encore proposer. On sait ce qu'il nous reste à vendre. Donc du coup, on s'aperçoit que le deuxième créneau 9h-11h, on a vendu 1569 places. Donc je vais prévenir les caissiers que donc il leur restera juste à vendre 31 places sur ce créneau-là. Une fois qu'ils n'ont plus de billets, ben, on est obligé de leur conseiller de revenir un autre jour. Une fois cette jauge atteinte, impossible d'accéder à l'île. Impossible, pas pour tout le monde. Bon, allez, on charge devant. Car juste à côté de la navette, de l'autre côté du port, les bateaux-taxis attendent les clients qui veulent rallier Porquerolles. Merci, monsieur. Thomas est pilote de la principale entreprise de bateaux-taxis depuis 2012. Avec lui, pas de file d'attente, pas de décompte. Il suffit de réserver sa course et un des trois bateaux viendra vous chercher. Bon, par contre, on va... tout le monde est là ? Vous êtes toutes là ? Oui, on embarque assez vite parce qu'ils attendent la place. Forcément, c'est plus cher. L'aller-retour coûte un tarif forfaitaire de 200 euros pour une à six personnes. Moi, je paye 70. J'ai deux places. Monique et moi. Oui, oui, d'accord. Si c'est possible en carte bleue, c'est l'idéal. Oui, parce qu'il faut que je rende la monnaie à tout le monde, sinon ça va être difficile. Sans contact, si vous voulez, ça fonctionne. L'avantage de ce service, c'est que Thomas et ses collègues peuvent venir vous chercher à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Le tarif est majoré de 25% à partir de 23 heures. Mais surtout, eux ne sont pas concernés par la jauge. C'est vrai que nous, c'est impossible à mettre en place une jauge. On ne sait jamais à l'avance qui va venir et à partir de quel moment on va dire, bah, là, il y a... Et puis le nombre de passagers qu'on transporte est quand même infime. Quand on paye, l'île est donc toujours ouverte. Et Thomas enchaîne librement des clients tout au long de la journée, jusqu'à 20 rotations par jour. Son bateau vous fait même débarquer sur la plage directement, comme ses vacanciers venus découvrir un endroit peu accessible depuis le village. Merci. Allez, à tout à l'heure. Avec son bateau-taxi, Thomas peut répondre à toutes les demandes. Et à Porquerolles, les clients savent être généreux pour qui leur facilite la vie. Il y a des situations des fois un peu surprenantes. Assez récemment, j'ai par exemple pris des passagers pour les prendre de leur bateau, les emmener faire du shopping à Saint-Tropez pendant 2 heures et les ramener à Porquerolles. Ça fait quand même une sacrée distance et pas mal de temps du coup. Mais bon, voilà, ils étaient contents, mais l'aller-retour était à 2000 euros. L'été, Thomas n'est pas le seul à effectuer cette activité lucrative. Pour se démarquer de ses concurrents, il a un atout dans sa manche. Sa compagnie est la seule à opérer toute l'année. Et avec lui, le taxi ne s'arrête pas sur le quai. On vous amène tout ça chez vous ? Je ne me souviens plus où vous êtes, par contre. À côté de l'école. Après l'école. Ah, oui. Cette famille a une résidence secondaire sur l'île. Et ils ne sont pas venus les mains vides. Hop. Le service bagage, qui peut être, qui peut être souvent élargi... À des petits déménagements, quoi. Mais on est là pour ça. Donc, il n'y a aucun souci. Avec Thomas, le transport des bagages est inclus dans la prestation. C'est le taxi Bruce. Grâce à lui, cette famille peut donc commencer ses vacances en toute tranquillité. Eux vont pouvoir passer plusieurs jours sur place. Un luxe inaccessible pour la majorité des visiteurs. Car avoir une maison sur l'île est une mission quasi impossible. Mettre un pied sur l'île, c'est tout l'enjeu pour Jonathan Fouquet. Cet agent immobilier basé sur le continent vient passer la journée sur Porquerolles. Et il n'est pas là
pour les vacances. On va aller faire une dernière visite avant acquisition sur une maison qui vient de se vendre sur l'île. La dernière, je pense, c'est la dernière transaction de l'île. Donc faire la dernière visite, on va faire les relevés des compteurs pour pouvoir signer dans 2 jours. Jonathan est spécialisé dans l'immobilier de luxe. Il ne s'intéresse qu'à des biens extraordinaires. S'il se déplace en personne d'Aix-en-Provence pour vérifier des compteurs, c'est que ce n'est pas n'importe quelle maison, et pourtant. Un séjour de 35 mètres carrés, en carrelage, doté d'un mobilier classique. Une petite cuisine qui donne sur la rue, 2 chambres où les lits rentrent à peine, et une suite parentale. Avec sa salle d'eau, c'est la plus grande chambre. On est loin du bien d'exception. Porquerolles, on vit dehors. Dehors, rien d'extravagant non plus. Pas de piscine ni de tennis, mais une simple terrasse carrelée de 100 mètres carrés. Bonne nouvelle, le jacuzzi en kit et le rack à vélo sont offerts. Une maison mitoyenne de 100 mètres carrés au milieu d'un lotissement, rien de spectaculaire, sauf le prix de vente. 2,3 millions d'euros. Sur le continent, on n'a pas de prix similaire en termes de vente au mètre carré. Ou alors vraiment sur des niches particulières, peut-être dans certains quartiers de Paris ou proche d'ici Saint-Tropez, dans certains quartiers, certains biens d'exception. Mais on ne retrouve pas ces fourchettes-là tarifaires sur le continent. 23 000 euros du mètre carré, c'est 6 fois la moyenne varoise. Mais alors, comment expliquer un tel prix ? Lille. C'est ce que les gens qui veulent Porquerolles souhaitent, c'est Lille. Voilà. Puisqu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. On ne vend pas des maisons, on vend Lille. Porquerolles ou rien. Porquerolles ne compte que quelques centaines de logements. Rien n'a été construit depuis le début des années 2000. Des maisons comme celle-là, il ne s'en vend qu'une par an. Oui, bonjour, vous allez bien ? Jonathan sait bien qu'ici, il ne faut pas laisser passer les occasions. La vendeuse de la maison possède d'autres biens sur Porquerolles. Il aimerait bien se positionner sur un des terrains qu'elle pourrait vendre. Parfait. C'est tellement un marché particulier. Pour un agent immobilier, c'est intéressant de savoir que plusieurs biens sur la même île appartiennent à la même famille. C'est-à-dire qu'il y a quelques familles qui maîtrisent le foncier, entre guillemets. C'est énormément de bouche à oreille, donc je préfère me mettre entre la bouche et l'oreille. Il faut dire qu'avec des commissions d'agence autour de 70 000 euros pour cette vente, un marché comme Porquerolles, cela se chouchoute. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens et qui voudraient rester plus d'une journée, il n'y a que 150 chambres d'hôtel pour des milliers de touristes. Ainsi, tous les soirs, les derniers visiteurs à la journée doivent encore une fois faire la queue. Et cette fois, c'est pour repartir sur le continent. Love it is, yeah. Je ne suis pas une star. Génial, vraiment génial. Vélo, plage, vélo. C'est une petite journée où on se sent vraiment en vacances. Donc c'est vraiment très dépaysant. S'ils gardent le sourire, beaucoup seraient volontiers restés plus d'une journée. Alors des petits malins ont développé une offre pour dormir sur place. Sur son grand catamaran, Nicolas est en plein ménage. Il doit tout mettre en ordre pour l'arrivée de ses clients. Allez, cette chambre est très sympa. Je vais me dépêcher avant qu'ils arrivent. Hop. Il y a 4 cabines doubles avec WC, salle de bain. Et donc, voilà, c'est super confortable parce que chaque cabine a son indépendance, a un accès autonome. Le capitaine ne semble pas très assuré en ménage. L'hôtellerie n'est pas son métier. Il a transformé son catamaran personnel en location estivale. Quand on fait un nettoyage à fond avec le lit, les draps, etc., il y a pour 5 heures de nettoyage. La plupart du temps, les locations sont assez courtes. C'est une nuit, 2 nuits. Et exceptionnellement, il y a quelques locations à la semaine. Mais bon, c'est vraiment une minorité. Malheureusement pour celui qui fait les draps. Mais c'est pas un problème, ça fait partie du job. Quand on n'est pas un professionnel, il faut savoir s'équiper. Nicolas s'est aménagé un moyen d'aller plus vite avec les draps. Donc, nouveauté sur Blue Albatros. Donc, durant l'hiver, j'ai installé cette machine de 10 kilos qui me facilite la vie puisque c'est assez extraordinaire. C'est un vrai luxe de pouvoir faire des machines à bord sans aller à courir à la laverie. Par contre, j'utilise une lessive biodégradable afin de préserver l'environnement, tout simplement. Et hop, c'est parti. L'activité de Nicolas ne devait durer que quelques jours l'année dernière pour payer ses vacances. Mais il a finalement changé de vie.
idéalement installé à Porquerolles, son catamaran est devenu son gagne-pain. Et c'est parti comme une traînée de poudre l'été dernier, avec voilà, des super commentaires. J'ai des gens qui m'appelaient en disant « j'ai vu vos commentaires, je pars avec vous ». C'est juste sur la foi des commentaires. Et à l'automne, en fait, j'ai changé de vie et j'ai décidé d'en faire mon métier. Moi, j'étais attaché parlementaire à l'Assemblée nationale pendant 2 ans. Et après, j'étais directeur de cabinet dans une grande ville. Donc en fait, j'ai changé de vie pour ce bateau. Et ça, c'est vraiment génial. Ce bateau lui a coûté plus de 300 000 euros à l'achat. Et pour développer son activité, il a encore dû investir près de 30 000 euros en équipement. Avec de tels coûts, difficile de rentrer dans ses frais. Alors il a trouvé une astuce. Il ne s'est pas installé dans le port de Lille. Une option facilement accessible à pied, mais coûteuse. L'amarrage y est facturé 100 euros la nuit. Il a préféré s'installer dans cette crique. C'est gratuit. Et les clients d'une nuit adorent. Bonjour. Salut. Bienvenue à Porquerolles. Merci. Voilà, vous avez fait bon voyage ? Nickel. Salut. C'est parti. Vous êtes prêts pour l'aventure ? Yes. Allez, on est parti. Pour eux, ce petit tour en Zodiac est même une bonne expérience et la seule solution pour rester sur l'île. Ça fait hyper longtemps qu'on veut faire quelques jours à Porquerolles, mais en fait, il n'y a pas de location à Porquerolles, quasiment pas. C'est vraiment le super compromis, quoi. C'est le confort et en même temps être sur l'eau et profiter de l'île. En haute saison, la nuit sur le bateau coûte 585 euros, mais on peut tenir jusqu'à 8. Ses clients vont passer 3 jours sur le catamaran pour près de 1800 euros. Et le charme des lieux opère immédiatement. Merci. Trop bien. C'est grand. Bienvenue à bord du Blue Albatros. Merci. À ses clients, Nicolas vend l'exclusivité de dormir dans les eaux de Porquerolles, mais aussi la liberté de faire le tour de l'île avec un skipper aux manettes. On va tout voir de Porquerolles. On est un peu privilégié, quoi. C'est la meilleure façon, en fait, quelque part, de découvrir la mer, quoi. Et on arrive dans la crique, on se pose, on débarque en annexe, et puis après, on peut utiliser les paddles, les kayaks. Donc voilà, la terrasse avant. Nicolas fait tout pour obtenir de bons commentaires qui lui attireront d'autres clients. Il espère toucher 30 000 euros sur les 2 mois de haute saison pour rentabiliser les 300 000 euros dépensés pour l'achat de son bateau. Et il sait le mettre en valeur. Les criques sont belles. Et tu vois là, hop, ça c'est un peu l'espace coucher de soleil. Hop, tu te mets comme ça sur la casquette. Et là, tu as une vue panoramique sur toute la mer. Voilà. Et là, t'as plus qu'à regarder le soleil et profiter, quoi. Parfait. Et pour les fans de Titanic, tu peux faire 3 fois Titanic. Pas 2 fois, mais oui, 3 fois. En plus, c'est parfait, non voilà. Elle est la reine du monde. Ah oui, bon, c'est parti pour l'apéro. Après le tour du propriétaire, Nicolas a préparé une dernière surprise. Oui. Du rosé de Porquerolles, du vignoble d'en face. Allez, à vos vacances. Merci. Merci, Nicolas. Super. À la tienne, ma chérie. De quoi profiter du soir à Porquerolles, une île où tout se calme après le départ de la dernière navette et qui, délestée de ses milliers de touristes, retrouve jusqu'à l'aube la quiétude d'un village provençal. En limitant le nombre de touristes venus pour une journée, la petite île de Porquerolles en profite pour monter en gamme. Mais tout le monde n'a pas la chance de pouvoir choisir ses vacanciers. Certains sites stars sature de trop de visiteurs temporaires. À l'autre bout de la France, sur la côte d'Albâtre, Étretat. Ici, organiser les flux de ces touristes pressés coûte une fortune. Des investissements que la ville compte bien, maintenant, rentabiliser. C'est devenu la destination d'un jour par excellence. Étretat en Normandie. Un enfer pour la ville et ses 1200 habitants. Quand les flux de visiteurs débarque pour la journée. Les jours de grand soleil, la population est multipliée par 7. Plus d'1 million de touristes vient chaque année dans un seul but, admirer ces célèbres falaises de calcaire. 11h dans la station, c'est l'heure de pointe. Certains automobilistes patientent 1h30 pour faire 1 km au plus fort de la saison touristique. Les 1400 places de parking affichent complet en un rien de temps. Et les stationnements sauvages déborde jusqu'aux communes voisines, à plusieurs kilomètres de là. La mairie n'a pas le choix. L'été, elle double ses effectifs
agents municipaux et services civiques traquent les imprudences et les incivilités. Revenez de l'autre côté, s'il vous plaît. La marée revient dans le milieu. A commencé par l'étonnant vol de galets. Alors, est-ce que vous avez eu... Un peu de ramassage de galets. Un peu de ramassage de galets. Ouais. Tout en sachant que l'amende est de 90 euros. Nous, on fait peur parce qu'on leur dit 90 euros par galet. Je le dirai maintenant. Voilà, quand on leur dit 90 euros par galet, hop, tout s'est rebalancé. Voilà. 300 à 400 kilos seraient emportés chaque été par ces visiteurs d'un jour. Alors Marc Gauthier et ses jeunes acolytes sont obligés de veiller constamment sur ces précieux cailloux qu'ils récupèrent parfois in extremis. Le ramassage des galets, il est interdit. Il ne faut pas les garder avec soi. On les garde pas. Ok, ça marche. J'avoue, mon œil n'a pas été attiré par les panneaux. Ouais, ils sont très jolis, comparés à ceux qu'on peut trouver à Nice, sur la plage de Nice. Donc c'est pour ça qu'ils ont attiré l'œil, et puis on s'est dit on voulait prendre un souvenir. Mais bon, on va les rendre maintenant. Au pied des falaises, il faut protéger les galets et la plage. Il y a des déchets là qui ont été laissés, je pense que les gens ils sont partis se baigner. Normalement, on n'est pas censé faire ça, mais là, vu qu'il y a une mouette, des fois, le perret, il se peut qu'il y ait des petits déchets. Quand il n'y en a pas beaucoup, on les ramasse, parce que sinon, ça appelle aux déchets. Et il y en aura de plus en plus, donc s'il y en a quelques-uns, on les enlève. Et en haut des falaises, c'est un tout autre danger qui guette les touristes. Marc Gauthier est sur le qui-vive. Le danger, c'est le selfie. Oh ! On recule, s'il vous plaît ! C'est devenu sa hantise. Là, c'était directement la chute, vu qu'il y a des parties qui sont dans le vide. C'est quand même hyper dangereux d'avancer, vu qu'il y a de l'herbe et c'est que de la terre. Il n'y a pas un point dur en dessous. La chute mortelle à cause d'une photo. Avec ses falaises escarpées, Étretat est un des sites les plus dangereux de France. Il y a eu 26 personnes qui sont tombées de la falaise l'année dernière. Un selfie sur les falaises, je le déconseille. Voilà, le mouvement juste ça, à pas faire. Sur les falaises. Il faut rester sur les chemins balisés. Aux accidents s'ajoutent les évacuations de touristes piégés par la marée. Ils ne lisent pas les panneaux d'interdiction installés sur la plage ou au pied des falaises. Résultat, ils se rendent par dizaines sur une plage isolée de l'autre côté de la falaise, accessible par un tunnel. Attention aux trous aussi, à droite à gauche. Bon, oh lolo, c'est interdit tout ça. Bonjour! La plage est interdite. Interdite et pourtant très fréquentée. Il y a un arrêté préfectoral qui interdit l'accès à cette plage plus le tunnel. Voilà. Malheureusement, vous risquez d'avoir une amende. On comprend la tentation. Le panorama est à couper le souffle. Bonjour. Il y a un arrêté préfectoral qui interdit l'accès à la plage. Bonjour. Malheureusement, la plage est interdite. Bonjour. Ce jour-là, Marc a dû évacuer une trentaine de personnes et éviter une opération de sauvetage coûteuse. Comptez 5000 euros minimum, l'intervention de l'hélicoptère local. Et la facture ne s'arrête pas là, de l'entretien des routes au ramassage des déchets. Rien que pour l'installation de 4 nouvelles toilettes publiques, la mairie a dépensé près de 200 000 euros. Ils sont tout de même une source de revenus pour la commune. Par exemple, les droits de stationnement et les amendes lui ont rapporté plus de 2 millions d'euros en 2022. Et pour les commerçants, ces visiteurs de passage sont une aubaine. Quand on vient une seule journée dans cette station balnéaire, la priorité, en plus de la balade sur les falaises et à travers les ruelles typiques, c'est le déjeuner avec vue sur mer. Il faut s'empêcher de débarrasser ici à la... Face à la plage, les restaurateurs sont submergés par ces vagues de touristes. C'est peut-être un petit peu longué d'attendre comme ça 30 minutes. En fait. On n'a pas trop le choix, c'est un petit peu pareil aussi de l'autre côté. On veut manger avec une vue. Les files d'attente n'en finissent plus. Les commandes de moules s'enchaînent. Alors, une moule marinière et une moule roquefort. Donc, madame, vous aviez pris là ? Crème. Alors, les moules, s'il vous plaît. Monsieur. Voilà. Moule à crème avec des frites ? Oui. Tout à fait. Deux fois. Si les clients affluent non-stop sur le front de mer, dans le centre du village, les commerçants doivent être malins pour attirer ces clients avides d'air marin. Moi, c'est Yalla. Yalla, la, 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 la. Et moi, c'est Choukran beaucoup. Merci beaucoup. Omar Aboudib, le propriétaire de ce street food libanais, et sa serveuse Alexandra tentent une opération séduction. On met de côté.
Messieurs, dames, bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Ça va bien ? Un petit falafel. Ce franco-libanais n'a pas la vue sur mer, mais il a la tchatch. Donc fait avec pois chiches frits, crème de sésame. C'est gourmand. C'est bon, merci. Ça se mange sans faim. Fait avec pois chiches frits et crème de sésame. C'est ça, avec amour. Absolument. Vous êtes situé où ? Là, en face. Ah ouais, carrément. C'est ça. Bah écoute, je vais servir ici, t'inquiète pas, je prends la commande. Je prends la commande. Profitez bien. Il peut même compter sur un petit coup de main de sa famille. C'est ma mère. Elle est cool, là. La bagouze, là, tout ce qui va bien. Non, elle est bien, ouais. Elle est bien. C'est marquant de se dire qu'une dame de 84 ans a fait un shooting photo avec un burger dans la bouche. Donc si, en fait, elle le mange, elle nous cautionne. Vous avez vu tous les deux. 80 falafels distribués en 2 heures. 20 euros dépensés en matières premières. Et le petit street food libanais d'Omar réalise son meilleur chiffre d'affaires depuis son ouverture. Deux shawarma et deux coca zéro. On va aller juste à côté, en fait. Et à cette clientèle d'un jour, le chef d'entreprise ne compte pas vendre uniquement ses falafels. À Étretat, Omar Abodib règne sur 4 restaurants. Dans son hôtel de luxe, sur les hauteurs, et dirigé autrefois par sa mère, il y a un étoilé et un bistronomique. Dans le cœur du village, il a son street food libanais et juste à côté, un bistrot. Comme ce restaurant non plus n'a pas vue sur la mer, Omar a décidé d'investir un autre marché, le créneau du pique-nique. Il propose ainsi de manger sur la plage et même directement sur la terrasse la plus prisée d'Étretat par les touristes de passage. Bonjour. Vous êtes très studieux, hein. Putain, la nappe blanche et tout là. Omar a convoqué ses équipes pour tester son nouveau concept de panier pique-nique conçu par le chef de son bistrot. Donc là, le houmous, piment d'Espelette, le lamné et les légumes croquants. Ici, la salade de quinoa avec le poulet grillé. On a envie de bouffer. Coût de la formule pour 2 personnes, 39 euros. Okay. À ce prix-là, l'équipe n'a pas le droit à l'erreur. Le panier repas doit arriver en bon état en haut des falaises. Cet emballage, étonnant, pourrait bien remplir cette mission. Atelier origami. Donc vous prenez comme ça, allègrement, là, voilà, hop, et tac. Et oh, ouf. Ça, c'est à partager pour 2. Omar l'a découvert pendant le premier confinement, quand il distribuait gratuitement des repas aux soignants. Ce qui est bien, c'est que ça respecte aussi le fait d'avoir une... Avec plaisir. De la bonne bouffe dans une jolie assiette. Ça vient de tester avec les... Ah oui, couverts. Bonne idée. Les assiettes en origami et les couverts en bois passent l'épreuve du découpage. Ça coupe facilement en plus. Mmh. L'homme d'affaires veut vérifier maintenant autre chose. Mmh. Omar veut se comparer à ses concurrents. Donc ça, c'est une offre, on est d'accord. Premier prix. C'est un pain de boulanger, donc il tient la route. Parce qu'en fait, c'est un vrai boulanger. Sauf que la garniture, bon, c'est garni quand même correctement. Deuxième proposition, on est là sur une supérette. Tout est en plastoc. Même le pain est emballé. La dernière offre est celle d'une boutique de produits régionaux du centre-ville qui propose un pique-nique normand. Donc on a une rillette aux deux saumons, on a une terrine au camembert. C'est choix, ça, par contre. On a un Neuchâtel entier. Faut y aller quand même, parce que... Si t'es à 2 sur le morceau de pain pour manger tout, je pense qu'il n'y a pas assez de pain. Ah bah, il n'y a pas assez de pain. Il n'y a pas assez de pain pour manger. Non, disons que l'idée est bonne là-dessus. Enfin, elle n'est pas con. Sauf que bah, il manque des choses. Quoi. C'est pas abouti. L'équipe doit se rendre à l'évidence. Pour un pique-nique, son repas est trop cher. Là, on est à 16,25 pour 2 personnes. Là, nous sommes à 26,30 pour 2 personnes, sachant qu'il manque encore les couverts. Là, nous sommes à 19,20, sachant qu'il manque le décapsuleur. Et là, nous sommes à 39 euros. Mais là, avec le kit complet. Difficile de gagner la bataille du pique-nique auprès des touristes de passage. Le patron de restaurant égrène pourtant les bons points en sa faveur. On respecte l'approche environnementale. C'est cuisiné. La présentation aussi. La présentation, on est d'accord. Alors, on va se faire un petit scénario tous ensemble. Un couple qui vient à Étretat. T'as envie de faire un peu de randonnée, t'as envie de un peu marcher, t'as pas envie d'être emmerdé, t'as envie juste de récupérer ton pique-nique. Dans ce profil-là, on va où ?
Si on fait de la rando, moi je vais plutôt boulanger. Ouais, si on peut manger vite. Vraiment, si je suis en mode rando. Sauf si je suis passée par là et j'ai vu les produits normaux. Je pense qu'on est conscient qu'on capte une niche. Tout le monde, effectivement, va pas prendre un pique-nique comme ça parce que. Mais il y a peut-être un truc à jouer en fait sur la notion justement de la table. Qu'on choisit. C'est en fait... L'homme d'affaires doit changer la manière de vendre son pique-nique. Bizarrement, nos concurrents, c'est peut-être plutôt la restauration plutôt que le panier pique-nique. Parce que... C'est un peu le resto à emporter sur la plage. Mais C'est exactement ça, c'est ce que j'allais dire. Ce que Clem dit, c'est qu'en fait, nous, en fait, dans l'histoire de tout ce qu'on voit là sur la table, nous, on est le seul restaurant. Et en fait, on est des vrais restaurateurs, on propose une solution. C'est ça. Maintenant qu'ils ont redéfini leur concept, ils doivent lui trouver un nouveau nom. Là, on a mis pique-nique des falaises. Il faut trouver un moyen justement de les persuader que c'est pas un simple pique-nique, c'est vraiment le restaurant dans l'assiette et l'assiette que tu emmènes où tu veux. La table à emporter d'Omar vient de voir le jour. Son objectif est de vendre 200 repas pour la première année, pour un bénéfice de 4 à 5 euros chacun. Pour améliorer sa marge, il a décidé de proposer une option en plus à ses clients. Donc c'est soit ça, c'est gratos, c'est compris en fait d'entrée. Ou alors celui-ci. Celui-là. Ça, ce sera vendu en plus. D'accord. Ce cabas en plastique recyclé a été déniché après des mois de prospection. Et il a un autre intérêt, que le pique-nique résiste le mieux possible à la montée des falaises. Puis tu vois, ça donne une note un peu plus moderne au pique-nique. Un supplément à 18 euros. Oui. On a les doubles clôtures en fait de chaque côté. On a quand même un renfort en fait en bas. On a une reprise de couture ici. Donc non, c'est bien foutu. Hein. Omar est confiant. Ce sac a toutes les raisons de taper dans l'œil des visiteurs d'un jour, puisqu'il a pris soin de le laisser aussi neutre que possible. C'est confort. Ce qui est en fait intéressant pour les clients, c'est qu'ils le gardent après. Ça peut devenir un sac de plage, un sac de course, ça peut devenir un sac de marché. Donc voilà, enfin après, c'est évidemment un investissement, mais au vu de la prestation globale, je pense que c'est pas mal. Donc là, tu vas faire 4 beaux points de ganache. C'est bientôt l'heure du coup de feu dans le restaurant du centre-ville d'Omar. La brigade finalise le dressage du dessert, sur le point d'être dégusté en conditions réelles. Le houmous, le pain, vous avez tout ça là, le petit gazpacho également, et l'abné légumes croquants. Bon. Morgane et Baptiste, un couple de Parisiens de passage à Étretat, sont les tout premiers clients à tester l'offre de repas à emporter. Les plats supporteront-ils la montée après plusieurs centaines de marches? Là, on est bien, hein? Tu veux te mettre là? Ah, il fait chaud. Qu'est-ce qu'on a? Merde, attends, il y a des trucs qui ont coulé. Ah. Wow. Morgane et Baptiste ont beau connaître le menu, c'est la surprise totale au déballage. Ça, c'est quoi? C'est du poulet? Du poulet, je crois. Le poulet a l'air très très bon. Mais ça, c'est quoi, du coup? Ah oui, c'est le gazpacho. C'est vraiment bon, ça. Les origamis remportent les faveurs du jury. C'est encore frais, ça. Je m'attendais moins à avoir des assiettes, quoi. Ça peut un peu glisser, mais les aliments restent dedans, quoi. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas de vent, je pense. Cet été, le pique-nique chic d'Omar sur les falaises peut devenir un classique. Encore faut-il que les touristes arrivent jusqu'à Étretat. La petite station balnéaire est d'autant plus victime de son succès que la star locale Arsène Lupin a été remise au goût du jour. Après Georges Descrières, Omar Sy a repris les codes du genre. Et cette mode Lupin a donné une bonne idée à un jeune entrepreneur. C'est le moment du changement de chapeau. Pour booster son activité, Gaëtan Dupont se déguise en gentleman cambrioleur. Une façon originale de se faire remarquer des touristes pressés. Un changement de costume et un changement de vie radical pour cet ancien ingénieur en aéronautique. Il a eu un déclic juste après le premier confinement. Il y a une étude de l'Office de tourisme qui disait que grosso modo plus de 90% des gens étaient très heureux d'être venus à Étretat et plus de 75% disent qu'ils n'y reviendront pas. Parce que moi, ce que je mets derrière, c'est justement ces problématiques d'accès à la ville. On est quand même en train de tuer ou en tout cas de dégrader notre tourisme. Et le but est plutôt d'essayer de trouver un tourisme positif, qualitatif, de personnes qui prennent plaisir à connaître notre région, à la découvrir et revenir régulièrement. Depuis un an, ce jeune chef d'entreprise propose un service révolutionnaire.
Il livre ses vélos là où sont hébergés les touristes, dans un rayon de 15 km. On parle de la mobilité douce, mais c'est aussi un métier physique. Ouais. Ils n'ont plus à rejoindre le centre en voiture, des heures d'embouteillage de gagner. Vous avez ici une serrure. Oui. En faisant un quart de tour. Vous avez repéré un peu ce que vous souhaitiez faire avec les vélos ou pas? On va se balader en vélo, et puis après, il fait beau. Top. Bon, vous êtes chic hein, pour mettre des vélos. Vous avez vu ça? Gaëtan a fait le pari de l'électrique, plus adapté à un pays de falaise. Pour ça, il a dépensé 40 000 euros en équipement. C'est ma planque. C'est mon aiguille creuse à moi. Objectif de sa première année d'existence, rentabiliser au moins cet investissement. Moyennant 68 euros la location pour 24 heures, avec la livraison incluse. Il y a la bombe anti-crevaison et il y a la pompe. En attendant, il peut se verser un salaire grâce à une autre activité. Bonjour mesdames. Bienvenue. Merci. Merci pour le petit waouh. Ouais, carrément. Ce groupe d'amis est à Étretat pour célébrer l'enterrement de vie de jeune fille d'Axel. Je vous conseille de fermer vos sacoches, ça évitera de faire le papillon. Elles ont décidé de louer des vélos à Gaëtan. Mais aussi de tester son autre offre. Ses chasses au trésor. On va partir pour 2 heures d'aventure et de découverte dans Étretat pour essayer de résoudre différentes énigmes et de mettre la main sur un trésor. Gaëtan a créé 6 scénarios lui-même, tous inspirés d'Arsène Lupin et de légendes locales. Le collier de la reine, où on reste sur la partie basse d'Étretat. Ensuite, on peut monter sur l'âne des demoiselles, où là, on part avec de la montée de falaise en plus, avec à peu près 6 km de marche. Le chrono est parti. Pendant 2 heures, le gentleman va promener nos jeunes touristes sur le parcours. Il multiplie les informations et les énigmes. Donc, on cherche la chambre des demoiselles. J'aimerais bien savoir pourquoi. Le problème de Gaëtan, c'est qu'entre ses livraisons de vélos et ses chasses au trésor, il a bien du mal à être partout à la fois. Et donc, en fait, dans le roman de l'aiguille creuse, c'est en mettant les deux pieds sur le D et le F et en regardant à travers la petite lucarne qui est là que du coup, on voit une petite croix qui est dans la falaise. Alors, pour augmenter sa clientèle, il a investi 50 000 euros pour créer une application. C'est sur cette tablette que les touristes vont répondre aux énigmes. Il y a combien de voûtes? 1, 2, 3, 4, il y a 5 voûtes. Ouais, mais il doit y avoir des anges quelque part. Grâce à elle, des clients peuvent jouer en toute autonomie. Et Gaëtan, voilà, ouais, continuer ses activités ailleurs. Et regarde, c'est les vitraux, ça correspond à ton plan, Nico. Ouais, ça correspond au plan. Il y a un plan, ça correspond à toutes les petites vitres. Pour amortir les coûts, Gaëtan a fixé le prix de la partie à 20 euros par personne. Et on peut t'avoir sur la photo? Carrément. Et il compte sur une bonne publicité, à laquelle il participe allègrement grâce à son costume. Il en a acheté 5 de rechange pour 2000 euros au total et être certain d'être toujours tiré à 4 épingles. Il n'y a que moi qui ai la haute forme dans Étretat. Et du coup, on me reconnaît facilement quand je me promène. La conséquence, c'est de pouvoir en entendre un peu plus parler. Et puis du coup, ça donne envie aux gens de découvrir, rien que pour rencontrer l'homme au chapeau. Gaëtan a réussi à laisser une image positive de la station saturée. Il a engendré aussi un chiffre d'affaires de 120 000 euros l'année dernière. En tout cas, objectif atteint sur la découverte de la ville en dehors du tourisme de masse et du tourisme de courte durée où on ne vient que pour aller voir la mer. Ouais. Et voilà. Si vous voulez bien laisser un petit avis sur Google et sur TripAdvisor, ça m'aide à faire connaître l'activité à d'autres personnes. Avec, et ça permet avec plaisir, hein. Merci beaucoup. Ces bonnes notes sur les sites de notation des activités de tourisme ont permis à Gaëtan d'être classé 7e meilleure activité de toute la France. Un véritable succès. Et il n'est pas le seul à tirer son épingle du jeu de ce tourisme express. Daniel et Virginie arrivent de Lens, dans le Pas-de-Calais. Le couple n'a eu aucun problème de circulation ni aucune difficulté à se garer. Formidable. Pas de bouchons, rien du tout, fluide. Comme 1 million de touristes chaque année, ils veulent découvrir les falaises d'Étretat. On peut plus aller du côté d'Audeville-Honfleur, mais Étretat, non, on connaît pas. Mais eux ont eu la bonne idée d'y arriver par la mer. Le frisson de la navigation en bonus, au départ, de Fécamp, une ville portuaire beaucoup moins touristique, à 20 km d'Étretat. Respirez, c'est bon. On va vous surveiller. S'il devient bleu, c'est que c'est trop serré. D'accord. Hop, qui c'est qui pilote?
Monsieur, il y aura un changement de culotte ou pas? Vous pouvez essayer, hein. Ils vont embarquer sur les jet skis de Karine et Jonathan Chapelle. Jonathan a lancé son affaire il y a 4 ans. Monsieur d'abord, madame après. Une bonne idée soufflée par un ami alors qu'il était encore menuisier. Nickel. Et on se tient juste ici au gilet. Il faut faire un gros câlin à monsieur. Ça, c'est hyper important d'être bien collé. Nickel. Ils sont seulement 2 loueurs de jet ski dans le secteur. Même à Étretat, il n'a aucun concurrent. Ça fait quand on est sur un port en eau profonde. Donc ça veut dire qu'à n'importe quelle heure de la journée, je peux sortir. Dès l'instant qu'on est sur des endroits avec des départs plages, par exemple, comme Étretat, soit on est obligé de décaler les machines sans cesse parce qu'on suit la marée, ou alors les remonter. Donc au final, ça a vraiment un côté non pratique. Un emplacement en or, une arche célébrissime qui lui rapporte des clients, et Jonathan a encore un bon argument de vente. Ses randonnées sont commentées. Si les arches d'Étretat aujourd'hui sont encore debout, c'est simplement parce qu'il a été démontré qu'elle est beaucoup plus chargée en silex qu'en craie et en calcaire. Pour lui, ces visites guidées au fil de l'eau sont la garantie d'un minimum de navigation. Rien que pour faire l'aller-retour Fécamp-Étretat, il faut compter 1 heure. C'est inoubliable. Époustouflant. Sa sortie dure 1h30 en tout et coûte 175 euros pour un conducteur seul, 200 euros avec un passager. Grâce à ses jets, il peut s'approcher bien plus près du rivage que les bateaux, qui risqueraient de toucher le fond avec leur coque. La main porte. Main porte, ça signifie grande ouverture. C'est les Anglais qui l'ont appelé comme ça. Parce que quand on passe dessous, c'est vraiment l'arche la plus large. Et aussi la plus longue. Si la marée le permet, Jonathan peut même offrir une virée sous l'arche à ses clients, à condition d'être à très faible allure. La vue spectaculaire et unique au plus près d'Étretat. Si la marée le permet, Jonathan peut même offrir une virée sous l'arche à ses clients, à condition d'être à très faible allure. La vue spectaculaire et unique au plus près d'Étretat. Virginie et Daniel reviennent avec la sensation d'en avoir eu pour leur argent. Quand vous voyez que la plupart du temps payé dans les 75 euros la demi-heure, c'est à peu près ce qui se joue, hein, un peu partout. Pour faire des petits allers-retours. Et là, une randonnée complète comme ça, avec la vue qu'on a eue. Non, franchement, c'est pas cher. C'est pas excessif du tout. L'activité de Jonathan décolle. Il fait jusqu'à 5 sorties de ce type chaque jour. En plus d'aimer son nouveau métier, il gagnera bientôt mieux sa vie que quand il était menuisier. Oui, bonjour, Loisir Jet. Vous avez appelé tout à l'heure pour une réservation pour 2 jets, c'est ça? Les touristes d'un jour veulent tous repartir avec leurs photos des falaises ou avec un souvenir d'Étretat. Avec tous ces visiteurs express, Étretat est une marque. Et certains aimeraient bien en profiter. À la mairie, on s'organise pour tirer des revenus de cette image que tout le monde s'arrache. Bonjour Estelle. Bonjour monsieur le maire. On va faire un petit point sur l'INPI? Allez. Le maire André Bayard et son adjointe Estelle Séraphin veulent récupérer leur nom. Le mot Étretat est utilisé dans le monde entier pour vendre tout et n'importe quoi. On voit un petit peu hein, toutes les marques qui aujourd'hui utilisent hein, le mot d'Étretat, les gâteaux au nom d'Étretat. On a aussi de la robinetterie, produits pharmaceutiques. Donc là, on a aussi du service Baccarat. Vaisselle, bijoux, mais aussi mobilier ou encore produits de décoration. La marque Étretat, dont le fameux pot de Nutella. Jusqu'à présent, ces différents usages n'ont pas rapporté d'argent à la mairie. Mais cela va bientôt changer. Comme on ne nous a rien demandé, je suppose qu'ils n'ont rien demandé à personne. Quand on a vu la publicité Nutella, ça nous fait un peu réagir parce qu'on dit, bon, bah, d'accord, ok, les falaises d'Étretat, c'est sympa de nous faire de la publicité. Mais est-ce que c'est sympa de nous faire de la publicité gratuite? Aujourd'hui, Ferrero nous fait la demande pour faire un pot à l'effigie d'Étretat. Bien sûr, on acceptera. Par contre, ça ne serait pas gratuit. C'est toute la différence. L'adjointe a déposé le nom d'Étretat à l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle.
la mairie va pouvoir interdire les objets ou les produits souvenirs qu'elle n'estime pas à la hauteur de la réputation de sa station balnéaire. Au cas par cas, en commission. Monsieur le maire, sans vouloir faire de langue de bois, c'est pas typiquement le genre de goodies qu'on aimerait demain voir forcément trop perdurer. Voyez. Non, c'est vrai que dans la qualité de l'image, on n'y est pas. Dans la qualité du produit, on n'y est pas beaucoup non plus. Là, on a un t-shirt Étretat. Il n'y a pas de souci en soi, hein. ça garde l'ADN du village. On est bien sûr un village marin, une petite ancre, voilà, c'est mignon, quoi. La mairie fixera aussi des tarifs pour ceux qui souhaiteront se servir de sa marque. Alors là, on a reçu une demande très sympathique, donc d'une dame qui travaille, qui ouvre donc une savonnerie, voilà, et qui souhaiterait donc appeler son savon Étretat. Alors, c'est une société très jeune qui aujourd'hui n'a pas de moyens financiers, pour ainsi dire. Donc là, il va falloir qu'on voit un petit peu avec eux comment tout ça va pouvoir se faire. La mairie pourra demander une redevance sur chaque produit estampillé Étretat. Par exemple, 3 centimes par carte postale, 20 centimes sur un sweatshirt ou encore 10 centimes par affiche. Entre les coûts d'inscription à l'INPI et les frais d'avocat, l'équipe municipale prévoit une enveloppe de 30 à 40 000 euros pour protéger son image. Mais à long terme, l'investissement pourrait s'avérer payant. Le maire et son adjointe se prennent même à rêver de partenariats de luxe. Je recherche plutôt un sac Longchamp qui s'appellerait Étretat, par exemple. Quelque chose de qualité ou même une serviette de plage. Ça peut être aussi une grande société internationale. Ça peut être, comme Louis Vuitton, hein, pourquoi pas, hein, qui pourrait très bien créer un sac Étretat. Voilà, c'est aussi... Ou Hermès. En protégeant sa marque, la ville compte bien récupérer un peu d'argent. Et pour rentabiliser les investissements indispensables pour accueillir ses visiteurs d'un jour, la ville aimerait bien aussi doper un autre de ses atouts économiques, le casino, car la commune touche un pourcentage sur toutes les recettes de jeu. Sur la table de blackjack, numéro 2, je tombe 50 centimes, 1, 52, 2, 50, 5, c'est 50, 10, 20, je tombe de 1, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Le problème, c'est que les touristes qui ne sont là que pour quelques heures ne songent même pas à y faire un tour. Alors son directeur, Christophe Lebert, fait tout pour s'inviter dans leur programme. Dans la journée, il y a peut-être 8000 personnes qui vont passer devant. Et il y en a peut-être à peine 1% qui vont oser rentrer parce qu'ils voient l'ancienne casino, ils vont avoir peur de rentrer, quoi. Donc ça va être à nous de les attirer par un petit jeu, quelque chose de très simple, de très ludique. Messieurs, dames, est-ce que vous voulez participer au jeu de la roulette ? Vous avez juste à vous installer sur un bon numéro et si vous êtes tiré au sort, vous gagnez un ticket jeu. Qui ne tente rien à rien, allez-y, je vous en prie, installez-vous. Morgane Le Duf fait jouer les touristes à l'extérieur pour les attirer à l'intérieur. Vous pouvez gagner jusqu'à 20 euros de ticket jeu pour jouer aux machines à sous. C'est gratuit, il n'y a pas d'obligation d'achat. Vous avez juste à vous positionner sur la bonne case. Un numéro, une douzaine ou une couleur. Allez-y. Messieurs, dames, bonjour. Est-ce que vous voulez participer au jeu de la roulette géante ? Allez-y. Et sur ce tapis, les joueurs gagnent à tous les coups. Alors, c'est bien une personne par numéro. On mélange. Et c'est le numéro 7. Donc, le numéro 7, je vous laisse venir. Félicitations, je vous offre 20 euros de tickets jeu. Et tous les autres, je vous offre 2 euros de tickets que vous allez pouvoir aller utiliser maintenant. Ça y est, les touristes ont franchi la porte du casino. Nathalie et son mari ont le droit à une visite guidée de la salle des jeux. Christophe Lebert la propose systématiquement et pour une bonne raison. Voilà, je vous invite à tester. Et donc là, vous pouvez introduire le ticket. Et donc là, vous avez vos crédits qui sont dedans. Donc 200 crédits de 10 centimes qui font donc 20 euros. Après, vous pouvez miser une pièce, deux pièces ou trois pièces. Et après, vous lancez les rouleaux. Donc ça, c'est le jeu emblématique du casino. Hein. Ça, c'est la roulette anglaise. Donc là, vous avez une bille qui part automatiquement dans le cylindre. Hein, et tout le monde joue sur ce cylindre. De cette façon, il peut orienter les novices sur les appareils les plus faciles d'accès. Ah, vous avez gagné un euro. Et il les écarte ainsi de ces modèles de machines à sous dernière génération, attirantes avec leur graphisme tape à l'œil. Yes ! Ça a augmenté les tours.
Allez, on y croit. Mais réservé aux initiés. Le mini, 10 euros. Des machines avec lesquelles vous pouvez gagner beaucoup, mais aussi tout perdre en un seul coup. Trop risqué pour les débutants, et encore plus pour le casino. Il suffit qu'il se trompe de bouton, il appuie sur le bouton mise max, et bien en une seule fois, il va jouer 8,80 euros. Donc voilà, donc le danger pour lui, c'est une mauvaise expérience parce qu'il va jouer une seule fois. Moi, c'est ce que disait mon premier patron, hein, c'est que dans les casinos, en fait, on ne vend pas du rêve, on ne vend pas du jeu, on vend du temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient jouer 20 euros, s'il joue pendant une heure, il va repartir du casino. Même s'il a perdu, il va être content de sa soirée parce qu'il aura passé du temps. Grâce à sa roulette sur le fond de mer, Christophe a réussi à attirer une soixantaine de touristes. L'autre porte d'entrée stratégique de son casino, c'est son restaurant qu'il n'a aucun mal à remplir, comme ailleurs, sur le fond de mer. Oui, ça c'est un samedi avec du soleil, avec un ticket moyen à 26 euros. Et on est à 3700 euros de chiffre payant. D'abord, il a fait remplacer les murs par des baies vitrées pour donner un aperçu sur ces salles de jeu. Quelqu'un qui vient consommer, qui vient juste pour boire un verre à la base, là, il peut lui prendre l'envie effectivement d'aller jouer au blackjack. Parce que comme c'est vitré, on voit précisément les croupiers en action, on voit les tables qui sont ouvertes et on voit les machines à sous derrière. On a une vue panoramique sur l'ensemble de l'établissement. Le directeur peut aussi compter sur une offre copieuse et bien arrosé, servi avec des jetons. Alors, je peux vous proposer également dans les menus, vous avez les box avec 15 euros de jetons pour jouer. Vous avez le cocktail, entrée, plat, dessert, deux verres de boisson et le café pour 40 euros, dont 15 euros de jetons. Ce couple de Chartres s'est laissé tenter par la box, comme 650 clients chaque été. L'hôtesse d'accueil du casino en profite pour leur proposer de créer une carte de membre. Les jetons seront échangés directement à l'intérieur avec ma collègue à la caisse et je vais prendre vos petites pièces d'identité s'il vous plaît pour le contrôle. Est-ce que les cartes club vous intéressent ? Je vous incite à la mettre. Grâce à cette carte de fidélité, le casino n'est pas prêt d'oublier ses visiteurs d'un jour. Il compte bien les faire revenir. Donc là, pareil, la carte est dans l'autre sens, là, cette fois-ci. Ça nous permet d'avoir une base solide de clients qualifiés, donc avec un numéro de téléphone, avec un email, et puis pour des gens qui ne sont pas de la région, par exemple. Pour les prochaines vacances, pour le mois de juillet, on peut très bien faire un envoi d'SMS ou un envoi d'email en disant « Si vous passez par Etretat, venez chez nous, on va vous offrir 10 euros ou on va vous offrir un cocktail au bar. » Jessica se laisse prendre au jeu. Là, j'ai appuyé tout à l'heure plusieurs fois et en fait, à un moment, il m'a mis plusieurs jeux parce que j'avais gagné un truc. Là, ça joue tout seul en fait. Ça monte, ça monte. Pendant quelques minutes, elle espère le jackpot. Énorme ! En fait, j'ai hâte de savoir ce que ça représente. Non, 26,72 €. J'étais à 3 euros et quelques quand même. Je suis passée à 26 euros. Mais c'est déjà bien. Franchement, pour une première, je pense que c'est bien. Je pense que je vais peut-être continuer un peu sur celui-là. À la fin de la soirée, le couple a perdu l'intégralité de sa mise de départ. Mais il est satisfait. Et pour le casino, c'est la promesse d'avoir gagné de nouveaux clients fidèles après leur visite d'un jour à Etretat. Etretat fait tout pour transformer ces vagues de promeneurs en une opportunité pour ses commerçants et pour la ville. De l'autre côté de la France, un petit pays au milieu des Pyrénées a sa propre stratégie. Lui aussi veut capitaliser sur ses touristes express. À Andorre, on veut les faire rester plus longtemps et les faire dépenser plus. Au cœur des Pyrénées, en pleine montagne, le flot de voitures ne s'arrête jamais à la frontière entre la France et Andorre. Ils sont en moyenne 30 000 chaque jour. Ramenée à son faible nombre d'habitants, Andorre est tout simplement la destination la plus fréquentée au monde. Pour chaque résident andorran, 100 touristes viennent ici chaque année, un record. Le problème, c'est que tous ces visiteurs ne viennent pas vraiment pour profiter du paysage. Du tabac, des bonbons, des produits nettoyants. Là, j'ai payé 140 euros. Je pense qu'en France, j'en aurais eu pour 300. La vaste majorité vient acheter ici des cigarettes et de l'alcool détaxé. Esther, une mère de famille, est habituée des lieux.
traquer la moindre réduction, c'est sa spécialité. Non, je regarde les prix pour les lessives. C'est quand même bien moins cher ici que chez nous, on va dire. Surtout quand on a un enfant en bas âge. Donc, c'est vrai que ça, en France, on va le payer plus de 7 euros. Là, il est à 1,19. Voilà. C'est, oui, c'est pas négligeable. Des réductions attractives sur un large éventail de produits qu'Estelle et son mari Anthony connaissent bien. Bonjour. La petite famille se rend ici une fois par semaine pour les produits du quotidien. C'est surtout voilà, des trucs basiques, la lessive, du sucre. Le tout est près de 50% moins cher qu'en France. Vas-y, donne-nous une masse. Les 5%, s'il vous plaît. Ouais. On a une carte et on droit 5%, sauf sur les cigarettes. Aujourd'hui, l'État d'Andorre veut transformer ses acheteurs pressés en vrais touristes d'un jour. Gagner quelques heures de présence pour augmenter les revenus de la principauté sur le portefeuille des visiteurs français. Et ceux qui profitent en premier de ce flot de passage, ce sont les restaurateurs qui entourent les parkings des magasins duty-free. Au pas de la case, la porte d'entrée du pays côté français, le restaurant d'Olivier fait face au supermarché pas cher et leurs milliers de clients. Pardon ? Je regarde qu'est-ce que je vais mettre comme musique. Et pour attirer les promeneurs du parking, il a sa propre astuce. Installer une petite ambiance de fiesta espagnole. Ça fait bouger un peu, ouais. Et les gens même qui passent, qui se disent « Ah, c'est sympa, tiens, on va aller acheter quelque chose. » Et puis ils disent « Ah, c'est sympa ici, il y a l'ambiance, les gens rigolent, le café est bon. » Voilà, on se dit « Bah tiens, on va rester, tiens, ça peut être sympa. » L'ambiance prend. Olivier en profite pour alpaguer les clients qui passent. Fais-moi de la playlist, madame. Une fois attiré dans le restaurant, Olivier sort d'emblée sa carte maîtresse pour satisfaire ses clients français. L'apéritif. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que vous désirez un apéritif ? Oui, pour moi, ça sera une pression. Pression ? Et une sangria. Très bon choix. Une petite. Un très bon choix, car la sangria est le cocktail signature de la maison. Sangria, 4,50 euros. Ah ben, c'est pas cher, hein ? Ah ouais ? Vu le verre qu'il y a, c'est pas cher. Elle est fraîche, elle était quand même. 4,50 € pour des verres d'un demi-litre. Allez, bon anniversaire à la sangria. Un tarif irrésistible. En France, pour la même boisson, comptez en moyenne 8 euros. Et un verre bien plus petit. À la jeunesse. Le cocktail a un autre avantage. Il ne nécessite que très peu d'ingrédients. Son temps de préparation est rapide. Et surtout, on peut en préparer de grandes quantités à l'avance. Le premier secret, c'est qu'elle contient des fruits frais. Ensuite, du vin rouge, un peu de Campari et un peu de gin, et voilà. La reine des cocktails ne parle pas du plus important des ingrédients secrets, la TVA. La taxe est très basse, bien loin des 20% obligatoires en France sur l'alcool. C'est pour cet avantage que Jeannot, le patron français du restaurant, s'est installé ici. Nous, on est à 4,5 sur tout. Alcool, manger, on est à 4,5. Donc ça vous permet de faire des... Voilà. Ça permet quoi ? Ça nous permet de faire une marge assez conséquente, d'avoir plus de personnel et d'offrir aux clients un rapport qualité-prix intéressant. Quoi. Si les restaurateurs mettent tant l'apéro et les alcools en avant, c'est qu'ils savent que, comparé à la France, ils sont imbattables sur ce terrain. Est-ce que le rouge est bon ? Ces quelques euros en moins, les restaurateurs ont bien l'intention de vous les faire dépenser. Et pour faire craquer les clients, ils viennent directement en salle montrer d'impressionnantes pièces de bœuf. En anglais, ça veut dire... Mais ça fait un thé. Bonne, en anglais, donc, ça veut dire os. Os en forme de thé. T-bone. Ici, on a le filet de bœuf. Et ici, on a le faux filet. Avec un peu plus de persillade et un goût différent. Avec ces beaux morceaux de bœuf venus de l'Espagne voisine, le patron espère bien faire monter le ticket de caisse moyen de son restaurant. Voilà, ça fait 1,2 kg. Et ça va, ouais, c'est énorme. Ben, nous, on le fait pour deux, mais il y en a qui le mangent seul. C'est un challenge. Et ça, par exemple, vous le vendez combien ? La côte de bœuf, c'est 49 euros. Un morceau de viande que Jeannot achète 18 euros à son fournisseur espagnol. Une TVA compétitive et des produits achetés à moindre coût en Espagne
Ces deux leviers permettent à Jeannot d'afficher des prix alléchants, en moyenne 20% moins cher qu'en France, tout en conservant des marges plus élevées que de l'autre côté de la frontière. J'ai toujours beaucoup de temps. Alors forcément, tous ces Français qui viennent dépenser ici, il ne faut pas les rater. Rebonjour. À la fin du premier service, Olivier se précipite sur son téléphone. Ce qu'il surveille, l'arrivée des prochains clients. C'est la circulation. Qu'est-ce qui se passe s'il y a du monde à la douane? Et en fait, il n'y a pas grand monde sur la route. Et ça change quoi sur le service? Ça veut dire que les gens vont arriver, mais plus tard. Et là, par contre, on voit que là, un petit peu plus loin, ça bloque. Mais ça bloque beaucoup plus loin. Donc ça veut dire que là, ça va ralentir et que les gens vont arriver beaucoup plus tard. Et c'est là qu'on va mettre beaucoup de musique et là, il y aura le soleil. Pour préparer l'arrivée de ses clients de deuxième service, il faut faire de la place dans le restaurant. Et pour ça, Olivier adapte sa stratégie musicale. On redescend un petit peu là. On se pose un petit peu là. Tout le monde est sur les desserts, les cafés. Donc, plus calme. Vous mettez quoi comme musique sur les desserts? Là, c'est les desserts, c'est les slow. Hein. La salle sera bientôt prête pour les prochains clients. Et il n'est pas question de laisser quiconque au pas de la porte. Alors même si son restaurant est plein, Jeannot a un outil pour accueillir toujours plus de gros mangeurs. Donc en temps réel, j'ai le restaurant, j'ai la terrasse. Là, j'ai l'autre restaurant qu'on a dans le village, un peu plus haut. Tu vois, là, pour voir que la salle est pleine. Jeannot et ses associés possèdent en tout 5 restaurants au pas de la case. Tous sont équipés de caméras. Ils surveillent les sièges disponibles en temps réel. Ça nous permet de savoir s'ils ont des places de libre, si on peut envoyer des clients, si nous, on est complet. C'est pour pouvoir leur dire, si j'ai 2 tables en bas, j'ai 2 tables à votre restaurant. Voilà, on s'envoie les clients d'un restaurant à l'autre. Quoi. C'est malin. C'est pratique. Une technique efficace qui leur permet de ne rater aucun touriste et de multiplier d'autant leurs bénéfices. Au cours de l'été, les associés atteignent les 120 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Pourtant aujourd'hui, Andorre veut aller bien plus loin. Plus seulement retenir 2 heures de temps les visiteurs de passage, mais les encourager à découvrir vraiment ce petit pays. Andorre en a fait une stratégie nationale et s'est donné les moyens. Si Paris a sa tour Eiffel, Andorre a son spa. Cet étonnant bâtiment trône au cœur de la capitale du pays. Caldea est le plus grand spa d'Europe. Sous ses cristaux de verre, de gigantesques piscines. L'équipement est conçu pour être un aimant à touristes. Avec ce centre balnéaire, Andorre promet pour quelques heures une impression de vacances sous les tropiques. Coralie et Amandine ont fait 3 heures de route depuis Perpignan pour y passer un bel après-midi entre filles. Allez, c'est parti, on y va. C'est bien d'avoir le maillot de bain dans le sac. Pour les deux jeunes femmes, l'objectif est clair, se détendre. Ah oui, c'est les vacances, ça y est, enfin. Ça va faire du bien. Ouais. Bonjour. Bonjour. On aimerait deux entrées pour deux adultes. Voilà. Il y a une petite réduction. Aujourd'hui, 53. Mais vous avez accès au espace. Si vous voulez aller... L'expérience commence donc par une bonne nouvelle. 53 euros à payer, contrairement aux 68 euros affichés. C'est ouais, sympa, ouais. Ouais. Bah ouais, c'est bien, je trouve. Enfin, c'est la première fois que je vois ça et... C'est un concept, du coup, ça peut attirer d'autres clients voilà, en pleine semaine. Le spa est une entreprise privée, propriété de la commune et de grandes familles andorranes. Pas de cadeau ici. En modulant ses prix, Caldea veut séduire les clients des périodes creuses. Les filles ont maintenant 4 heures pour profiter de tous les espaces que propose le spa. Un espace spectaculaire. 3 lagunes d'eau thermale. Des jacuzzi animés par un spectacle de lumière. Un restaurant panoramique pour se ressourcer entre deux bains. Mais également des attractions plus rares, comme cette baignade musicale arrosée au champagne. Le spa bénéficie d'un avantage concurrentiel énorme. L'eau arrive, déjà chaude, directement de source des montagnes voisines. Aucune facture à payer pour des bassins jusqu'à 37 degrés.
Mais tout le reste est très coûteux. L'entretien, la maintenance ou encore les 155 employés permanents. Pour arriver à l'équilibre, Caldea doit donc faire entrer des milliers de clients chaque jour. Alors le spa s'est offert les services d'une professionnelle. Son boulot ? Remplir la piscine. Sarah Gomez représente le spa auprès de la clientèle française. Une commerciale aguerrie, spécialiste du tourisme. Je suis donc Sarah et je vais être avec vous toute la journée pour vous faire découvrir Caldea. Sa mission du jour, séduire ses 8 chefs d'agence événementielle. Des femmes très influentes. Toutes organisent des séminaires de 100 à 300 personnes pour des entreprises ou les collectivités du bassin toulousain. Elles conseillent entre autres les comités d'entreprise de grandes sociétés prestigieuses comme Airbus et ses quelques 10 000 salariés à Toulouse. Elles ont toutes été invitées gratuitement, mais pourraient faire venir des centaines, voire des milliers de visiteurs payants au spa. Il y a un peu de pression, non ? Un petit peu, oui. Il faut qu'elles soient contentes, qu'elles repartent ravies de leur escapade ici. Pour démarrer la visite, la commerciale tape fort. Elle invite ses clientes à se baigner dans un des bassins les plus spectaculaires du spa, la lagune panoramique. Le cadre est idéal. Vraiment impressionnant. Sarah marque des points. Je vais profiter d'un moment avec donc, mes clientes pour me détendre aussi et pour profiter de l'expérience de Caldea et de cette magnifique lagune. L'eau est très chaude. Hein. Ah ouais, l'eau est excellente. La température de l'eau, le décor de carte postale à la montagne. La vue est magnifique. Le fond transparent du bassin. Sarah utilise le moindre détail comme argument commercial. Très belle architecture. Ces invités stratégiques ne partiront pas sans un ultime cadeau. La séance de massage, une heure de soins, hors forfait. C'est parfait, c'est très très agréable. La journée déteinte, il fait beau en plus, on est dans un environnement, un cadre magnifique. Donc, de belles découvertes pour les clients. Les clientes professionnelles sont conquises. Elles vont promouvoir le centre à de nouveaux visiteurs. Et surtout, vendre ses extras comme le massage. Des soins personnalisés qui sont au cœur de l'équilibre budgétaire de Caldea. Coralie, notre touriste de quelques heures, a elle aussi cédé à l'attrait des mains expertes. En la suivant pas à pas, on comprend mieux l'intérêt pour Caldea de promouvoir ses soins. Je viens pour voir si je peux faire le massage, le soin à l'acide hyaluronique, s'il vous plaît. 45 minutes à 57 euros. Le tarif, il est correct. Si ça dure bien 45 minutes et que les prestations sont à la hauteur, oui. Caldea s'est associée à une grande marque de cosmétiques. Officiellement, avec cette marque, les tarifs des prestations sont les mêmes partout en Europe. Si on compare le même soin de 45 minutes avec un institut de la même marque à Perpignan, le tarif affiché sera exactement le même. Mais ici, il va être bien plus rentable. Pour nettoyer les yeux, d'accord ? Vous fermez. Au départ, le procédé est classique. Ok, maintenant, ça c'est le gommage. Pourtant, le spa a inventé ses propres méthodes pour gagner en productivité. Comme ces cuillères doseuses, scrupuleusement installées à portée de main de la masseuse. Un petit outil qui est au cœur du process commercial. Seule la responsable du spa a accès au placard sécurisé des crèmes. Car au-delà de l'économie de produits, ces cuillères permettent d'économiser sur la dépense la plus lourde du spa, le temps de travail des masseuses. Ça me fait gagner beaucoup de temps, parce qu'avant, je prenais tous les produits nécessaires dans la cabine. Maintenant, les cuillères sont déjà prêtes à l'avance. En plus de ses soins chronométrés, Caldea dispose d'un atout considérable pour transformer ses massages en très bonne affaire. Une main-d'œuvre beaucoup moins chère qu'en France. En Andorre, les coûts des personnels sont hors normes. Ici, les charges sociales patronales sur les salaires s'élèvent à environ 15%. En France comme en Espagne, c'est trois fois plus, 45%. Pour une masseuse payée au même prix, son salaire total coûte 20% de moins en Andorre.
Et comme les massages sont facturés au même prix dans toute l'Europe, ça fait autant de marge en plus dans la poche du spa. Une affaire qui, du coup, tourne bien. Avec 400 000 visiteurs par an, ça baigne pour Caldea. Son bénéfice s'élève à 8 millions d'euros. Le spa permet de faire rester les touristes quelques heures de plus dans la principauté. Pour qu'ils y passent la nuit, les autorités andorranes ont une idée étonnante. Et là aussi, ils n'ont pas lésiné. Andorre mise sur des événements d'envergure mondiale et n'a pas hésité à faire un gros chèque pour accrocher une affiche unique. En plein cœur des Pyrénées, va se produire aujourd'hui une des plus grandes marques de divertissement au monde. Le Cirque du Soleil, une célèbre troupe canadienne qui, depuis 40 ans, révolutionne le cirque grâce à des spectacles de grande envergure qui tournent dans le monde entier. La troupe joue habituellement 4 spectacles en parallèle à Las Vegas, où un théâtre a même été construit spécialement pour eux. Et c'est ici, à Andorre, que le cirque va jouer pendant un mois son seul spectacle européen. Andorre s'est offert l'affiche du Cirque du Soleil, mais en version low cost. Sur scène, les artistes finissent les répétitions jusqu'au dernier moment. La metteuse en scène du spectacle est une figure historique de la compagnie. Elle est aussi la chorégraphe de la version canadienne de The Voice. Mais à Andorre, Geneviève est bien obligée de mouiller le maillot pour passer ses consignes. Garde ton énergie. Tu marches, tu t'arrêtes, tu la regardes et tu la touches. À Andorre, la troupe ne dispose que de quelques jours de répétition, contre des mois entiers pour ses spectacles internationaux. Juste avant la levée de rideau, il faut utiliser chaque minute sur scène. C'est un travail de dingue. C'est un travail de dingue, de fou. Et ça, c'est quelques heures avant la première. On n'a pas eu de temps. On n'a pas eu de temps de staging. Alors, à chaque fois que j'ai un petit peu de temps, je saute dessus. Je ramène toute ma troupe. Puis je go, go, go. Pas de temps et un budget restreint. La production de ce spectacle est 20 fois moins chère qu'un show du cirque à Vegas. Une économie de moyens qu'on sent dans les coulisses, aménagée dans un ancien parking. Pas d'habilleur ou de coiffeur, ni même de maquilleur. Les acrobates les plus incroyables du monde se retrouvent seuls face à leur miroir. Avant la puissance des muscles, la précision du geste. C'est à eux de se préparer avant de monter sur scène. Le spectacle est sur le point de commencer. La tradition du Cirque du Soleil, c'est de faire une photo de famille à chaque première. Au premier rang, un invité étonnant, le ministre du Tourisme d'Andorre. Il faut dire que la principauté a fait un très gros chèque, 2,7 millions d'euros. Et il faut encore ajouter les coûts du chapiteau, de la sécurité et l'hébergement de toute la troupe. Alors à ce prix-là, la principauté a fixé ses conditions. Comme un spectacle qui commence à 22 heures, les passionnés de cirque seront obligés de dormir sur place. Une stratégie qui rapporte. L'investissement est de l'ordre des 2,7 millions et le retour qui est calculé pour le pays est supérieur aux 20 millions d'euros. Il y a quoi dedans? Il y a des chambres d'hôtel, il y a des gens qui passent. Chambres d'hôtel, restauration, commerce. Ça fait qu'on est fiers de l'investissement qu'on fait et du retour que ça a. Pour rentabiliser son investissement, la principauté doit donner envie à beaucoup de visiteurs de venir. Pour cela, le prix des billets est bradé. Quand il faut payer à Vegas 250 euros pour voir le Cirque du Soleil, à Andorre, le billet est jusqu'à 50 fois moins cher, à partir de 5 euros. 5 euros la place. 5 euros, c'est dingue. C'est chouette. Alors, petite randonnée, un peu de shopping, évidemment, et puis un peu de thalasso, Caldea, voilà. On avait vu qu'il y avait le Cirque du Soleil qui passait et voilà, on en a profité pour venir 3 jours. Voilà. Ça marche, ça fait venir. Ah oui, ça fait venir, oui, oui, on est là, regardez. En tout, cet été, 150 000 personnes profiteront d'un spectacle mondial à prix cassé à Andorre. Pour 90% des places sont déjà vendues et les hôtels se remplissent. Pour la principauté, le spectacle est une très bonne affaire. En jouant de tous ses atouts et en investissant massivement, Andorre est en train de gagner son pari des voyageurs express. Le tourisme est devenu la première ressource économique du pays, avec plus de 30% des revenus. C'est 5 fois plus qu'en France.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez Bernard de la Villardière avec Enquête exclusive. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Capital d'été inédit. Merci à toutes les équipes. Bel été, bonne fin de soirée sur